Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelques petits achats d'occasion. On est passé à Easy Cash et mon copain a fait un achat occasion au supermarché. Et je vais vous montrer tout ça, donc ce sera presque que du jeu pour aujourd'hui. On commence avec l'achat de mon copain. Il a trouvé en occasion 9 sous blister, assez improbable, le Mario Strikers Battle League Football qui est sorti récemment sur Switch, qu'il a payé 30€. Voilà, une bonne affaire, on pourra comme ça le tester à deux et voir s'il est cool. On est ensuite passé à Easy Cash et pour 27€ j'ai trouvé sur Switch le Roller Coaster Tycoon Adventure, donc un nouveau jeu Tycoon, jeu de gestion de parc d'attractions. Vous savez que j'adore ça et donc tous les jeux Tycoon c'est toujours une grande réussite pour ma part. J'ai ensuite trouvé pour 30€ le Digimon Survive. Je suis pas particulièrement fan de l'univers Digimon mais les jeux sont toujours très très bons, donc je me suis dit autant tester celui-là. Le dernier que j'ai fait c'est Cyber Sluth et il était vraiment super, donc j'espère que celui-là sera à la hauteur. Pour 7€, mon copain a trouvé ce petit pack Guitar Hero On Tour qui va sur la DS, donc vous savez avec cette chose qui s'installe sur la Nintendo DS comme ça dans le port GBA pour pouvoir jouer, et il est complet. J'ai pris le Kirby's Dream Land sur Game Boy, j'avais acheté la boîte vide il y a quelques temps et j'attendais d'avoir ce jeu pour un prix plutôt raisonnable. J'ai trouvé pour 20€, franchement j'aurais pu l'avoir moins cher sur Vinted mais là il était vraiment nickel, donc c'était la bonne occasion. Pour 30€, on a pris la manette de Wii édition Mario, donc qui était sortie sur la Wii U en boîte. On avait déjà la manette, mais le cash n'était pas le bon et on l'avait pas en boîte. Donc on s'est dit autant upgrader celle qu'on a. On se débarrassera peut-être de l'autre, je ne sais pas encore. Et elle est absolument complète, voilà, comme ça, avec même la petite protection. Donc comme d'habitude, la manette est bicolore, bleu et rouge, aux couleurs de Mario, avec le petit M au milieu. Elle est très jolie. Et donc voilà pour ces petites dernières trouvailles. Dites-moi si vous avez certains de ces jeux Switch et si vous aimez bien cette manette. Moi, je la trouve vraiment trop jolie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je fais des bisous tout le monde.